Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 octobre. Il est autour de 15h. Et maintenant, le bus va nous amener pour aller Bru, Cabis et Fagé. La place de Naï. Et bon, la porte est bien la plus accessible que les personnes qui sont rentrées. Alors je voulais juste de la rue des Cordeliers. Le déjeuner avait le ton d'un ce n'est qu'un au revoir. Je propose. Remonter pierre par pierre avec de magnifiques vitraux des frères Mauméjean qui datent des années 30, art déco. Piva Cabis, et nous sommes accueillis par les responsables de Pen Cabis. Les travaux ont été effectués grâce aux dons qui ont été faits avec le Tostan Cabis, rénovation église de Cabis, le toit, ici l'étanchéité. Ça a été fait ici. C'est pour éviter la remontée d'humidité. Nous sommes reçus. Nous sommes reçus au café. Non, mais... J'ai là... Parce que là, rien que pour nous, tout seul, vous avez quand même quasiment la totalité.
maintenant pour le café. Yokohama. Maintenant, on visite l'église. L'église, je ne vous la montre pas, vous la connaissez déjà, je voulais vous présenter. C'est la future statue qui sera mise sur la façade. Avec Vatican II, c'était le principe de Vatican II. Ils ont installé cet hôtel comme ça, ils ont enlevé une grille qui se trouvait là, qui a été vendue, et le curé de l'époque, qui s'appelait... C'était ma vidéo de ce vendredi 15 octobre pour vous montrer la visite de l'église de Kaby et de ses alentours, des travaux qui ont été effectués. Et vous donne rendez-vous pour voir le futur WDD Michou 6411 et montrer la statue de la Vierge en marbre qui va être mise ici.